Ici Rafi 750, on se retrouve pour une vidéo sur GT Sport. Donc c'est parti, on se retrouve pour le mode campagne école de conduite. On se retrouve pour mon deuxième épisode. Donc qui arrivera à l'étape 16 du coup. Je vais pas tout vous montrer à chaque fois. Je vais vraiment vous montrer que quand je loot la voiture. Donc je fais juste cette étape là pour voir ce que je vais looter comme voiture à la fin. Qu'en espérant que j'arrive du premier coup quoi. Conduite automatique non, alors ok c'est parti. Faut juste ouais, faire un virage quoi, donc ça a pas l'air d'être difficile. Hein. Donc c'est parti. On espère avoir une bonne voiture. Donc bonne surprise pour ma vidéo précédente sur la voiture que j'ai récompense du événement quotidien. Donc j'ai looté, j'ai eu une Ferrari, franchement j'étais content. Donc c'est parti. On espère que j'y arrive du premier coup. Ou pas. Hein. On l'a vu. Ah non, bon, je sais pas trop loin. Donc, quitter pour gagner des thunes. Ça, je gagne l'argent. Et je recommence. Ah non, mais non, je pensais que c'était mort. Ça va, je l'ai eu. Je pensais que c'était foutu. Je pense pas qu'ils vont me donner une bonne bagnole. Allez, c'est parti. Je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Allez, c'est parti. Hop, on va quitter. Allez hop, école de conduite débutant de terminer. Vous avez reçu une voiture en cadeau. Oh, oh c'est quoi? Oh une Mustang GT. Oh, Premium Fastback Back, pas mal. Oh, c'est pas dégueu, je trouve. Ok, Rafi 770 a terminé toutes les leçons d'école conduite débutant 2 en remportant la récompense suivante, Ford Mustang GT Premium Fastback. Alors je sais pas si c'est vraiment tout le monde. Attends, je vais partager du coup. Ah, je peux obliger. Je vais faire cool. Je vais mettre cool, voilà. Hop. Ça, hop. Ok. Ça, je partage aux gens qui me suivent et à mes amis, quoi. Ah, éditeur de livret, vous pouvez. Décorez votre voiture et votre casque avec des peintures et stickers. Ok. Du coup, je vais gagner ça. Et là, c'est niveau dur, c'est ça? Ils disent pas que c'est dur ou pas. Du coup, je pense qu'il y a d'avoir plusieurs niveaux et d'avoir débutant. Ah oui, d'avoir après et d'avoir d'autres choses après. Je pense que là, il y a débutant et après, je pense qu'après, on va passer sur amateur et après professionnel, je pense. Parce que je pense que c'est ça. Hein. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc moi je vous dis une prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. C'est bye bye. Pensez bien. Peace.